En fait, les guides tenaient absolument à faire passer un enseignement sur les animaux parce que nous disent ils il est vraiment urgent que les êtres humains considèrent l'animal autrement que ce qu'il peut être encore considéré actuellement. c'est à dire que en fait il faut qu que nous comprenions que nous sommes tous des âmes à la base dans l'au delà et que seule l'enveloppe sur la Terre va changer. Donc soit nous prendrons une enveloppe animale, soit nous prendrons une enveloppe humaine. Mais de l'autre côté, les âmes sont à l'identique. Donc dans l'au-delà, il n'y a aucune différence entre un, une âme qui a une apparence animale ou une qui a une apparence humaine. Alors, en fait, quand les âmes euh, ont une enveloppe animale et qu'elles retournent, donc elles sont retournées dans l'au-delà, elles vont euh, pouvoir se rendre compte, par rapport à leur dernière incarnation, ce qu'elles ont compris, appris, réglé ou manqué. Et à ce moment-là, elles vont prendre la décision soit de refaire un parcours en enveloppe animale, soit elles peuvent aussi choisir de passer en enveloppe humaine. De même qu'un être humain peut, pour mission, demander pour une incarnation et pour pouvoir aider davantage une âme qui en a besoin, de revêtir une enveloppe animale. D'ailleurs, on avait vu, je crois, dans, dans, dans un enseignement, un enseignement pardon, précédent, qu'il y a des âmes qui, après leur incarnation en tant que végétal, vous savez qu'il y a d'abord l'âme étant minérale, puis elle fait des incarnations en végétale. Eh bien, il me semble qu'on avait déjà vu que certaines âmes préféraient passer d'abord en humain plutôt que de passer en animal. Pourquoi Parce que qu'elles savaient très bien qu'en passant en animal, elles devraient, tôt ou tard, dans une des incarnations, subir la cruauté de l'homme. Et certaines ne sont pas prêtes à cela et donc préfèrent passer par le stade humain, l'enveloppe humaine, au lieu de l'enveloppe animale. Donc c'est elles qui choisissent. Je vais vous rappeler quelque chose dont on avait parlé dans un des premiers enseignements que j'ai reçus. Mon père m'avait parlé de la marguerite et en fait il m'avait expliqué que la marguerite, on prend le symbole de la marguerite et que cette fleur, eh bien, on va prendre le cœur de la marguerite. Et on dira que le cœur, c'est l'essence d'être. Et tous les pétales de la marguerite vont représenter nos parcours d'âme. Donc il y aura des pétales qui vont correspondre à des parcours où nous aurons été végétaux, d'autres où nous aurons été minéraux, et puis d'autres où nous, nous serons humains ou euh, animal et les deux la plupart du temps les deux puisqu'on passe par les deux phases par les deux enveloppes. Donc en fait, eh bien euh, que ça soit une enveloppe animale ou que ça soit une enveloppe humaine, à la fin du parcours, eh bien c'est une facette supplémentaire qui est ajoutée à l'essence d'être. Donc c'est un pétale qui vient se rajouter et c'est un plus, une connaissance supplémentaire, euh, un acquis par rapport à une évolution pour euh, l'essence d'être. Voilà, pour l'âme. Alors, bien sûr, à quel moment ça se différencie Eh bien, quand l'âme euh, fait sa descente vibratoire et va se mettre dans son enveloppe. Bien sûr, là, les choses euh, commencent à, à, à se différencier. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il va y avoir une enveloppe différente, mais aussi étant donné qu'il va y avoir un changement de niveau vibratoire il y aura forcément aussi un changement de conscience. Alors, déjà, il est important de réaliser que l'animal n'est en rien inférieur à l'homme. Il voit, il comprend tout donc le côté où, où, où toujours l'humain considère que euh, l'animal n'a pas la même intelligence que lui est totalement erroné. pour les enveloppes animales donc et, et bien euh, l'âme va choisir différentes euh, sortes d'évolutions de, de, à travers l'enveloppe c'est-à-dire que pour par, certains parcours elle pourra choisir d'être insecte pour d'autres d'être poisson pour d'autres d'être animal sauvage et puis aussi euh, eh bien il y en a qui choisiront d'être beaucoup plus près de l'homme au risque de la maltraitance que les animaux sauvages aussi vivent enfin que tous les animaux sur terre vivent d'ailleurs par rapport à la cruauté de l'homme mais l'animal domestique va accepter de se rapprocher de l'homme, c'est-à-dire, bah, la plus souvent c'est chat, chien, euh, lapin, le cheval aussi est quand même n'est pas un animal domestique mais est près de l'homme aussi. Eh bien, il va l'accepter parce que, par exemple, le chien et le chat vont euh, montrer à l'homme en fait l'amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel, l'humain n'en est pas capable sur terre. L'animal, oui. Le chien et le chat, oui. Donc, à travers cette incarnation que les animaux, enfin que les âmes devenues apparence animale vont faire, eh bien, ils vont apprendre euh, à travers donc ces, ces enveloppes euh, la, toute la sensibilité que peut avoir un animal, euh, la connexion avec l'autre côté qu'il a, connexion avec les autres aussi, la perception donc, hein, et euh, ils vont vivre avec cette conscience euh, même S'ils savent que bien souvent, à un moment donné, l'humain va les persécuter. On, a, on va insister longtemps là-dessus parce que euh, pour les guides, c'est essentiel d'enfin de, prendre conscience de cette persécution continuelle que l'homme exerce sur l'animal. Alors, bien sûr, on parle de l'humain en général. Heureusement que tous les humains ne persécutent pas les animaux. Et euh, ce qui est quand même euh, plutôt euh, réconfortant, c'est de voir que de plus en plus, les humains prennent conscience. Des êtres qui sont à côté d'eux et de, de, de cette force qu'ils ont, de cet amour qu'ils ont, de cette sensibilité qu'ils ont et que nous n'avons pas. Et que nous n'avons pas toujours au même stade qu'eux, en fait. Alors. Euh... Effectivement, les guides m'ont dit que les animaux ont un guide. Alors, ça se passe comment euh, Je vais vous donner par exemple euh, le, le, ce que j'ai qu pu, pu apprendre à travers les messages que j'ai reçus des loups, puisque j'ai eu cette chance d'approcher les loups pendant une quinzaine d'années. Et j'avais reçu des messages de loups qui étaient passés de l'autre côté et qui m'ont expliqué qu'en fait, euh, les loups ont un guide pour tous les loups. Donc, pour les loups, c'est le grand faucon. Voilà. Ils ont ce guide, et mais ça ne veut pas dire. Que chaque loup n'est pas accompagné par une âme euh, qui est euh, plus près de lui aussi. voyez, un petit peu euh, comme. Euh, alors, nous, c'est vrai qu'on a notre guide principal, notre guide de vie, mais on peut avoir d'autres guides à côté. Eh bien, pour les loups, le grand faucon, c'est vraiment le guide pour la race, si vous voulez, pour le loup, pour la race des loups. Et à côté, eh bien, ils vont avoir un loup qui est déjà passé de l'autre côté, qui a une évolution plus importante que d'autres, et qui donc, quand ils arrivent, va expliquer, va les aider, va les accompagner durant le temps, le temps qu'ils ont pour euh, s'adapter à leur nouvelle vibration, à leur nouvelle vie, au retour à leur vraie vie, en fait. Donc, les guides m'ont dit que tous les animaux ont des guides, plus spécifiquement par par race, par catégorie d'animaux, mais au milieu de ces, de ces, de ces euh, comment dire, de ces différentes euh, sortes d'animaux, eh bien, chacun peut être accompagné par un guide de la même race que lui qui va, euh, comment dire, qui va le, le suivre et le conseiller dès qu'il arrive de l'autre côté. Donc, en fait, ça, ça fait une sorte de deux guides qui sont là, le guide pour la généralité et puis celui qui est plus personnel pour euh, l'âme qui, qui arrive de l'autre côté. Alors, est-ce que, est que les animaux communiquent C'est une évidence. Euh, ils communiquent entre eux sans problème. Bien sûr, ils n'ont pas la parole comme nous, mais ce n'est pas parce qu'ils par qu n'ont pas la parole comme, comme la nôtre euh, qu'ils ne communiquent pas. Ils ont une autre sorte de parole. Et ils savent très bien se faire comprendre entre eux. Et puis, ils ont la télépathie. Ils communiquent avec l'au-delà. Alors, beaucoup d'animaux sont médiums, mais pas tous. Vous prenez les chiens et les chats, énormément de chiens et chats sont médiums, mais certains non. Ça dépend aussi de leur évolution. Mais en général, beaucoup. Est-ce qu'ils peuvent communiquer avec nous Alors là, on va revenir un petit peu en arrière, en 2012. En 2012, nous avons tous reçu une vibration supplémentaire. Tous les êtres humains ont reçu une vibration supplémentaire. Donc les enfants qui naissaient avaient déjà cette vibration et euh, on en avait parlé déjà, je pense dans un enseignement différent où je vous avais expliqué qu'en fait les guides nous montraient bien que eh bien ceux qui étaient déjà un peu ouverts, ils seraient encore plus ceux qui avaient un problème un peu psychologique, on aurait un plus grand et ceux qui étaient dans la négativité le seraient encore davantage. Depuis 2012, on a pu constater effectivement que c'est ce qui se passe, puisque tout ce qu'on peut voir actuellement nous montre qu'effectivement, eh il y a une recrudescence de personnes qui ont des problèmes psychologiques et qui sont dans la négativité et qui, et qui veulent amener euh, des, des, des lourdeurs sur Terre. Mais heureusement, il y a énormément d'êtres humains qui se sont ouverts, qui ont la conscience qui s'est se ouverte encore davantage, ce qui fait qu'il y a beaucoup de prise de conscience par rapport à l'au-delà, par rapport à la survie de l'âme. Et ça, c'est magnifique. Alors avec les animaux, qu'est-ce qui s'est passé Eux avaient déjà cette évolution. Donc, eux, ils n'avaient pas besoin. Cette vibration, ils l'ont reçue. Mais pour eux, c'était un plus, mais pas de moins pour les animaux. Et qu'est-ce qui s'est passé En fait, là, on a commencé à voir plein de personnes qui disaient Ah, mais on peut communiquer avec les animaux. Euh, donc, et je l'ai entendu plusieurs fois, c'est pour ça que je me permets de vous le dire euh, beaucoup d'humains disaient, enfin, certains humains que j'ai entendus disaient euh, Donc, euh, c'est parce que eux, ça y est, d'un seul coup, euh, ils ont une compréhension différente. Mais pas du tout. Et ça, les guides me l'ont expliqué en me disant Mais là, vous êtes encore dans l'erreur. C'est parce que vous, vous êtes montré d'un cran que maintenant vous pouvez accéder à la communication avec l'animal qui lui était beaucoup plus en, haute, en, en en élévation que vous. Et pour lui, ça ne posait pas de problème de communiquer. C'est avec vous qu'il y avait un souci. Donc, c'est vrai qu'après 2012, on a pu communiquer. Alors, je vous dirais en parenthèse qu'il y a énormément de personnes maintenant qui communiquent, soi-disant, avec des animaux qui sont sur Terre. Soyez vigilants. C'est tout ce que je peux vous dire. Soyez dans la vigilance. Euh, faites marcher votre discernement. Parce qu'il y a énormément de charlatanisme actuellement parmi les personnes qui se disent communiquer avec des animaux qui sont sur Terre. Et comme ce n'est pas eux qui vont dire oui, oui, ce que la personne dit c'est vrai ou pas, c'est un peu la facilité, vous voyez, pour raconter tout et n'importe quoi. J'ai eu l'occasion de personnes qui sont venues et qui m'en ont parlé, c'est pour ça que je me permets de vous le dire, euh, et qui m'ont raconté des choses aberrantes. Donc à vous d'avoir ce discernement. Mais il y a des personnes, effectivement, qui communiquent et qui communiquent vraiment très bien avec les animaux qui sont sur Terre. À différencier avec ceux qui communiquent avec les animaux qui sont passés de l'autre côté, parce que là, bah, c'est tout simplement de la médiumnité. Euh, donc euh, là, ça ne change rien à ce, ce dont on peut parler d'habitude. Mais effectivement, certaines personnes ont cette faculté maintenant de pouvoir parler avec les animaux. Mais vous savez, quand vous avez votre propre animal chez vous, vous n'avez pas quelque part besoin que quelqu'un vous dise ce qu'il pense, parce que si vous êtes connecté avec vous le ressentez. J'ai moi-même, vous le savez, une petite chienne qui, aujourd'hui, où l'on parle des animaux, ne se manifeste pas, mais va peut-être se manifester avant la fin de la, de la vidéo, parce qu'elle est à mes côtés, elle est couchée à mes côtés. Mais vous savez, elle sait très bien me faire passer tout ce qu'elle veut. Alors, oui, j'arrive à communiquer avec elle et à la comprendre, c'est certain. Mais même si je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle m'envoie en télépathie, Rien que par ce, ce comment elle se montre, euh, comment elle se comporte, vous pouvez arriver à comprendre votre animal. Euh, c'est un livre ouvert, un animal. Il, il est sans, sans filtre, il est pur. Donc il fait passer tout de suite son ressenti sans essayer d'y mettre la forme ou quoi. C'est du direct. Donc à nous de nous mettre euh, un petit peu plus en concordance avec nos animaux. Et là, vous verrez que c'est... Très facile de ressentir ce qu'ils veulent nous faire passer. Et c'est magnifique, c'est magnifique parce que dès qu'on est à l'écoute d'eux, il y a une osmose, il y a une, il y a une harmonie qui se fait entre les deux qui est absolument exceptionnelle. Exceptionnelle. Alors, quand on voit, quand on, on, on s'intéresse un peu plus aux animaux qui sont proches de nous, on finit par comprendre qu'ils ont les mêmes épreuves que nous à dépasser et à régler. Et ça, c'est assez, assez intéressant. Et j'ai pu le constater aussi par rapport aux loups, quand j'ai reçu les communications avec les loups. Où en fait, les loups qui étaient passés de l'autre côté m'expliquaient il y en avait qui avaient été trop dans la jalousie, d'autres trop dans l'envie, d'autres trop à vouloir passer pour une star, d'autres au contraire qui n'étaient pas arrivés, qui étaient restés toujours dans l'ombre de quelqu'un d'autre, d'un des leurs, quoi, vous hein, voyez. Mais donc, ils ont à peu près les mêmes, les mêmes épreuves que nous à régler. Et. Euh, Parmi les animaux sauvages, eh bien, il n'y a que les loups que j'ai pu approcher en animal sauvage. Et je dois dire que la communication des loups, elle est assez phénoménale. Parce qu'on dit, le, le loup, il hurle. Oui, tout à fait d'accord, le loup, il hurle. Mais je peux vous assurer que pendant les 15 ans où j'ai pu euh, app les approcher, être près d'eux, ils ne hurlent jamais de la même façon. Voilà, vous voyez, ma petite chienne confirme. Et, euh, et en fait, le, le meneur de loups, celui qui était avec eux, qu'il considérait comme le, le, le père, comme l'homme, comme le mâle, hein, les louves le considéraient comme ça, Et eh bien, euh, souvent, il m'a expliqué, il m'a dit écoute bien, écoute bien le hurlement et tu vas te rendre compte que ce n'est pas le même. C'est-à-dire que quand j'arrivais à la louverie, il se mettait à hurler pour prévenir donc le meneur qui s'appelait Francky, pour le prévenir que j'arrivais. Donc il y avait quelqu'un qui arrivait chez eux. Quand le matin, j'allais les voir, en prenant mon café, j'allais les voir et je m'asseyais près d'eux, eh bien ils se mettaient à hurler d'une façon différente pour dire, il y a un intrus parmi nous. Mais euh, quand euh, Francky s'en allait avec un des loups, sur une prestation ou quoi, ils se mettaient à hurler encore différemment pour expliquer euh, il y en a un qui s'en va, c'est pas normal, quoi, l'inquiétude qu'ils avaient. Et ce que j'ai vécu, je crois, de plus fort à la louverie, c'est en fait une louve qui était euh, en train de mourir. Et Francky l'avait isolée et régulièrement allait vers elle, euh, lui donnait à boire, la caressait dans son enclos. Mais il savait qu'elle était sur la, la fin de, de son parcours. Et euh, je me rappelle toujours parce que nous étions un 31 décembre, donc il faisait nuit très tôt, et il devait être à peu près 17 heures, il faisait déjà nuit noire. Et à un moment donné, Francky euh, m'a dit Tiens, viens, je vais te montrer des papiers à mon bureau. Donc nous nous sommes éloignés de l'enclos pour, euh, pour regarder ces papiers. Eh bien, euh, à un moment donné, nous avons entendu un hurlement déchirant, je vous assure, déchirant. Et là, tout de suite, Francky m'a dit, elle est partie, Douchka est partie. Donc, nous sommes tout de suite sortis du bureau, nous avons été voir dans l'enclos, et effectivement, elle était partie. Et c'était, mais quelque chose, je ne peux pas vous dire comment ça prenait d'entendre tous les loups qui se mettaient à hurler en même temps. Mais à hurler de chagrin. Et là, on sentait vraiment que c'était le chagrin, on le ressentait. Et quelque chose d'autre qui était intéressant, vous savez, on dit souvent euh, que, en fait, quand euh, vous veillez à un proche, qu'il va s'en aller, et, et, et en fait, vous allez le veiller pendant des jours, et puis juste au moment où vous vous absentez cinq minutes, c'est là où il va s'en aller. On en a déjà parlé. Eh bien, rendez-vous compte que là, encore une fois, c'est à l'identique. Pour la Louve, parce que Francky était tout pour elle. C'était, comme je vous l'ai dit, pour les Louves, Francky c'était leur mal. Et bien, tant qu'il était à côté d'elle, elle, elle n'est pas partie. À peine il est parti dans son bureau avec moi que là, elle s'est autorisée à s'en aller, que le guide a pu lui faire signe qu'elle vienne et qu'elle n'était plus en peine de le quitter. Alors oui, les animaux connaissent le suicide, comme les humains. Euh, des exemples bah, Par exemple, vous avez certainement déjà entendu parler de, de, de chiens par, qui vont rester couchés sur la tombe de leur maître, euh, parce qu'ils ne supportent pas que le maître soit parti, et donc ils refusent de s'alimenter, et même s'ils ne vont pas sur la tombe mais vous avez des beaucoup, c'est souvent les chiens, euh, ça peut être aussi les chats, je pense, mais beaucoup les chiens le font, euh, où en fait le maître s'en va, et ils sont tellement désespérés, ils ont tellement de chagrin que le maître soit parti, qu'ils peuvent effectivement refuser de s'alimenter pour, euh, pour partir plus, plus vite et pour rejoindre le maître, parce qu'eux savent qu'ils vont le rejoindre. Donc ils sont tout à fait conscients qu'ils interrompent le contrat. Euh, mais la douleur est trop intense. De même que, par exemple, ceux qui sont euh, battus, qui ont des sévices euh, terribles, ou ceux qui sont dans des expériences en laboratoire, à un moment donné, ils vont refuser de s'alimenter parce qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils préfèrent s'en aller. Donc oui, le suicide chez les animaux existe. Il n'est pas vu de la même façon. Il n'est pas traité de la même façon que pour les humains. C'est-à-dire que... Euh, comme par exemple ce sont des êtres qui sont martyrisés euh, par l'homme, euh, évidemment que le, le contrat va être interrompu, mais que l'âme ne va pas avoir à comprendre et à se pardonner comme un humain qui interrompt son contrat. C'est encore différent. Les guides nous disent, il n'empêche que l'humain qui martyrise un animal devra, en arrivant de l'autre côté, avant même... De travailler sur ses manquements, il devra revivre toute la souffrance qu'il a infligée à l'animal. Euh, ils nous disent là-dessus c'est impératif parce que euh, il est impossible d'accepter que l'on puisse maltraiter un être qui se trouve à nos côtés. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est intéressant quand on parle de ça parce qu'on se rend compte que eh bien l'espace-temps, on a toujours du mal avec cet espace-temps, euh, parce que de l'autre côté, il n'y a pas de temps, parce que dans l'au-delà, le temps n'existe pas. Mais vous voyez bien que sur Terre, il y a une différence de temps aussi, parce que les animaux ne vivent pas la même durée de temps que nous. Un chien va pas durer, va pas, va pas vivre. Un gros chien va vivre moins qu'un petit chien. Euh, un chat va vivre un, un petit peu plus longtemps. Vous avez certains animaux euh, qui vont vivre des tortues. Il euh, y en a une qui, euh, enfin, en moyenne, elle vit dans les 50 ans, mais il y en a qui vivent jusqu'à 100 ans. Euh, donc, vous voyez, mais en moyenne, l'animal ne va pas vivre le même temps que nous. Donc, vous voyez bien que là, eh bien, l'espace-temps est déjà différent entre nous et ceux qui ont une enveloppe animale, les âmes qui ont une enveloppe animale, et pour autant, et pour autant. même si un gros chien, par exemple, ne vit que 12 ans, il aura fait la même évolution que, euh, que l'âme d'un humain, qui vivra peut-être 80 ans. Vous voyez Donc, le rapport au temps n'enlève en rien la qualité de l'incarnation. C'est intéressant aussi à voir. Alors, euh, les guides nous disent que c'est incroyable d'entendre encore des, des êtres humains euh, parler de l'animal en disant ce n'est qu'une bête, ou ce n'est qu'un chien, ou ce n'est qu'un chat. Et ils nous disent à partir du moment où l'être humain parle ainsi c'est lui qui montre toute son ignorance en fait c'est-à-dire que l'homme qui en fait est un animal aussi sauf qu'il est sur deux pattes au lieu d'être sur quatre eh bien cet homme il a considéré que parce que lui était debout il était supérieur et qu'il pouvait diriger la terre or les guides nous disent vous êtes tous des êtres vivants sur la Terre, vous devez tous vous respecter et vous êtes tous aussi importants les uns que les autres. Mais l'homme se croit encore aujourd'hui malheureusement supérieur et c'est pour ça qu'il va se permettre de maltraiter des animaux, de ne pas prendre en considération qu'en fait nous vivons tous sur la Terre et que nous avons tous besoin les uns des autres. Et donc les guides nous disent que par rapport à cette mutation actuelle qui est en train de se passer, eh bien, euh, il faut espérer que l'homme va prendre conscience de l'importance des animaux à côté de nous et qu'il va arrêter de les maltraiter de passer ses nerfs dessus de, de les considérer inférieurs parce que sans ça eh bien il ne pourra pas y avoir ce nouveau monde auquel on aspire puisque tant que tous les êtres sur la terre ne seront pas en égalité euh, le nouveau monde ne pourra pas être Alors en fait, les animaux sauvages nous apprennent beaucoup quand on veut un petit peu les observer. Moi, je vais vous raconter une histoire euh, qui s'est passée, que Francky, euh, donc le meneur de loups, m'a racontée, et qu'il a vécu avec un lion. Alors, pour ceux qui ont une quarantaine d'années, euh, vous connaissez bien sûr, vous avez tous suivi, je pense, le club Dorothée. Et au club Dorothée, il y avait euh, un, un vétérinaire. Qui, qui venait régulièrement faire des chroniques dans le au club Dorothée et qui s'appelait le docteur Klein, voilà. Donc à l'époque, moi je suivais puisque mes enfants regardaient le club Dorothée, donc je, effectivement je connaissais le docteur Klein et qui avait l'air d'être un, un, un homme vraiment qui aimait les animaux. Et Francky, bah Francky se déplaçait beaucoup avec ses loups et un jour Francky passe à côté du parc parce que en fait euh, le docteur Klein euh, faisait partie d'un parc dans le sud de la France. Et un jour, il passe, euh, il comment dire, il passe à côté de ce parc et il s'arrête pour aller voir des personnes qu'il connaissait dans le parc, dont le docteur Klein. Et là, euh, à l'époque, Francky ne s'occupait pas encore des, des loups, mais s'occupait des lions. Venait de, enfin, venait de terminer, mais il s'est occupé pendant de nombreuses années de lions. Donc, ça l'intéressait d'aller voir les lions qui étaient dans ce parc. Il y va. Et là, euh, bah ses collègues, enfin les hommes qui travaillaient là-bas, qui s'occupaient des, des lions, euh, lui disent Alors écoute, il y en a un là, qui s'appelle Zéphyr, et qui est à moitié fou, donc on ne sait jamais comment le gérer, parce qu'il euh, va être bien calme, et d'une minute à l'autre, il va devenir agressif, on ne peut pas l'approcher, il est dangereux, donc fais attention si tu, dois, si tu veux euh, aller voir de plus près les lions. Bon. Il se trouve que ce lion, devait avoir un, une, comment dire, un soin et que ils attendaient les vétérinaires pour faire ce soin sur ce lion. Les vétérinaires arrivent et euh, ils lui font... Donc, ils étaient trois à venir pour le lion et ils lui font une piqûre, une fléchette anesthésiante pour pouvoir le soigner derrière. Et euh, comme ça mettait un certain temps pour qu'il s'endorme et le temps que vraiment l'endormissement soit total, ils disent à Francky... On a largement le temps d'aller déjeuner et on revient et on fera le soin après. Sauf que Francky s'aperçoit que le lion a été endormi en plein soleil. Vous êtes dans le sud de la France, c'est le plein été et euh, il s'est endormi les yeux ouverts en plein soleil. Donc les vétérinaires disent à Francky, bah, euh, viens manger avec nous si tu veux. Et Francky dit non, non, moi je reste là. Et en fait, il commence à s'apercevoir que les yeux, les, les yeux pardon du lion, commencent à être un peu vitreux. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il va chercher de l'eau et avec un coton, euh, il commence à en fait mettre l'eau sur les yeux du lion euh, tout le temps, comme ça, pendant tout le temps qu'il était endormi, euh, pour éviter que le lion perde ses yeux, en fait, hein, devienne aveugle. Et puis les, les autres, les vétérinaires rentrent, euh, reviennent, le lion, ils font le soin au lion et le lion après, se réveille, mais Francky, lui, euh, s'en va. Et voilà, terminé, euh, il n'a plus jamais de contact avec ce lion. Et euh, le lion était endormi, donc euh, Francky, euh, il s'en est pas aperçu. Deux ans se passent, deux ans. Et Francky, euh, là, est complètement avec les loups, ne s'occupe plus des lions, et passe à côté d'un parc un jour en déplacement, et veut aussi aller dire bonjour aux gens, parce que qu'ils bon, finissaient par tous se connaître entre eux et donc il va dans un autre parc un petit peu plus haut dans la france et euh, bah, il voit ses, ses collègues aussi ils commencent à parler ensemble et puis il demande à ces hommes-là combien il y a de lions dans le parc et là euh, eh bien les, ses collègues lui disent eh bien écoute aujourd'hui on attend un lion mais il paraît qu'il est à moitié fou qu'il a des réactions un peu spéciales mais on a quand même euh, accepter de le prendre parce qu'on a, on a tellement de place que de toute façon, il, on, on aura le temps de l'observer et de voir comment il se comporte avec les autres. Le camion arrive, ils font descendre le lion et là, Francky euh, me dit, en le voyant, « me... Ah, j'ai l'impression que c'est Zéphir. » Et euh, ils le mettent donc dans le grand enclos. Le lion s'en va loin, loin dans l'enclos et Francky dit à un de ses collègues, je crois le connaître, je vais rentrer dans l'enclos. Donc là, ses, ses collègues lui disent, mais t'es fou, quoi, avec ce, ce, ce lion-là, on ne sait pas comment il va réagir. Vous inquiétez pas, je vais rentrer. Et là, Francky me dit, j'ai vécu une des plus belles choses de ma vie, un des plus beaux moments de ma vie, parce que je suis rentré dans l'enclos. Et il dit, là, j'ai vu Zéphyr qui s'est arrêté, parce qu'il dit, c'était bien lui. Il s'est arrêté, il m'a regardé, il est venu vers moi et il s'est couché à mes pieds. Est-ce que vous vous rendez compte C'est-à-dire que là, ça veut dire plusieurs choses. D'abord qu'il euh, y a la mémoire, que l'animal a une mémoire comme nous, hein, absolument comme nous. Mais encore mieux, c'est-à-dire que même endormi, il, il sait ce qu'il se passe. Vous voyez, comme on dit toujours que un être endormi ne voit pas. Ben oui, qu'un être dans le coma ne voit pas ce qui se passe. Oui, et là, le lion qui était totalement endormi s'est rappelé que c'était Francky qui lui avait sauvé ses yeux. Est-ce que vous imaginez comment c'est magnifique Donc, voyez que quand on s'approche des animaux sauvages, quand on les observe, au lieu d'essayer de les tuer par bêtise, par cupidité, par tout ce qu'on veut, eh bien, à ce moment-là, on commence à se rendre compte qu'en fait, ils sont comme nous, ils vivent les mêmes choses que nous, et qu'il suffit juste d'être un petit peu à l'écoute pour pouvoir partager des choses avec eux. Alors oui, les guides, même si ce n'est pas très agréable, mais les guides m'ont dit qu'il est important quand même de mentionner quelques horreurs qui sont encore commises actuellement par les hommes sur les animaux. Euh, je ne sais pas si vous savez, mais au Danemark, il y a une tradition ancestrale, en fait, qui est de tuer euh, tous les ans des dauphins. Et là, cette année, encore au mois d'août, il y a eu 1428 dauphins qui ont été tués à l'arme blanche, simplement parce que c'est une tradition ancestrale et que donc on ne veut pas euh, déroger à cette tradition. Vous avez la chasse à la baleine au Japon, qui est dramatique. Le massacre des gorilles, où pendant longtemps, en fait, on, on les tuait pour avoir un trophée, euh, la tête d'un gorille, dans son salon, où on s'en servait, on coupait les mains des gorilles pour en faire des cendriers. Vous voyez un petit peu l'horreur quand même de l'être humain. Hein euh, vous avez le massacre des éléphants qui continue. Vous avez 20 à 30 000 éléphants par an qui sont tués pour leur ivoire, pour leur peau, pour leur viande. 20 à 30 000 quand même, alors qu'on sait que les éléphants commencent à diminuer sérieusement. Vous avez aussi euh, bah, la corrida, il faut en parler. Hein Alors là aussi, c'est une tradition, on est d'accord, c'est une tradition. Mais euh, que représente une tradition quand on sait que c'est la souffrance d'un taureau jusqu'à temps qu'il meure C'est absolument horrible, c'est quand même barbare, quelque part, hein même si ça fait partie d'une tradition. Vous avez aussi euh, les safaris qui existent encore. J'ai moi-même travaillé dans, un, dans une entreprise où il y avait un patron qui se vantait tous les ans d'aller au safari, à un safari où il était sûr, nous disait-il, de ramener son trophée pour pouvoir le mettre dans le salon, sa tête de lion. Et il nous disait Bon, c'est très très cher, mais ça vaut la peine, j'aurai ma tête de lion. C'est même inexplicable, en fait. On ne peut, peut même pas comprendre où est le bonheur là-dedans, mais ça existe et ça existe encore. Euh, vous avez aussi la chasse, hein, il faut en parler. Alors il y a la, la chasse euh, qu'on voit tout le temps, enfin les chasseurs qui, qui, qui euh, comment dire, qui tirent sur les, les animaux, sur les cerfs, sur les biches, voilà. Et puis vous avez aussi, alors encore, enfin je dirais pas encore pire parce que pff, tout est tout est terrible, mais euh, les animaux qui sont élevés pendant un an, euh, euh, qui sont élevés, qui sont donc euh, dans des endroits très, très condensés. Et puis, le jour de, de la chasse, vous avez toutes des hommes en rond, là, et puis on lâche les animaux au milieu. Donc là, évidemment, ils sont, ils sont sûrs d'être tués. Hein. Ils n'ont même pas le temps, eux, d'essayer de, de s'enfuir. De Donc, je pense que les guides voulaient, par ces exemples, nous montrer à quel point... À quel point l'homme est cruel, quoi. il n'y a pas d'autre mot. Hein. L'homme a besoin de tuer, a besoin de faire du mal, alors que l'animal ne tue que si c'est nécessaire. Il ne va pas tuer pour le plaisir de tuer, mais juste pour manger. Donc il y a une grande différence. Euh, il y a même une femelle ours qui a été tuée l'année dernière alors qu'elle était dans une réserve. Eh bien, ils sont arrivés quand même à la tuer. C'est euh, toujours assez surprenant. Voilà, de voir qu'en fait on n'avance pas plus et qu'on prend pas plus conscience. Alors les rituels funéraires, c'est assez euh, impressionnant de voir les, les différentes sortes de rituels qu'ont les animaux. Par exemple, il y a un enfant, un petit garçon de 8 ans, qui en Arizona a filmé les pécaris. Alors les pécaris, c'est les cousins éloignés des sangliers. Et en fait, il a, il a filmé des pécaris qui venaient de perdre un des leurs. Et pendant dix jours, chaque jour, il revenait pour euh, veiller celui qui venait de mourir, dix jours de suite. Euh, vous avez une orque qui, euh, des, des, des scientifiques ont observé, qui en 2018, en fait, euh, pendant dix-sept jours. Voilà, là vous avez le, le concert de ma petite chienne, qui pendant 17 jours, en fait, a poussé son bébé dans l'eau avec elle. Elle a parcouru 1600 km avant d'accepter pardon, de lâcher son bébé qui était mort. Donc euh, pendant 17 jours, vous vous rendez compte, elle le, elle le poussait et elle ne voulait pas lâcher son bébé mort. Euh, une girafe aussi, où ils ont pu observer qu'elle veillait sur son girafon qui, était, qui avait été à moitié dévoré par les hyènes elle continuait à veiller son corps euh, le comportement des éléphants alors ça le comportement des éléphants est assez impressionnant en fait quand un des leurs euh, se couche ils vont euh, donc meurt pour être sûrs euh, qu'il est bien mort ils vont essayer à plusieurs de le relever et quand il n'y arrive pas il, donc ils se rendent compte qu'il est mort eh bien ils vont euh, se mettre mettre plein de branchages autour de lui et ils vont le veiller on a pu voir aussi que les éléphants célèbrent l'anniversaire de la mort d'un des leurs c'est à dire que chaque année au même moment à la même date le troupeau revient à l'endroit où l'éléphant est mort pour lui rendre hommage. C'est-à-dire que là, ça veut dire qu'ils ont la mémoire, la mémoire de la date aussi, qu'ils savent à quel moment l'éléphant est déjà parti. Euh, ils ont pu remarquer aussi que les, éléphant, enfin, que les éléphants euh, venaient euh, tapoter la tête des éléphantaux pour les réconforter quand un, de leur, quand un des deux parents euh, décédait. Les autres viennent tapoter la, la tête des éléphantaux. Euh, par rapport aux éléphants aussi, euh, il y a des chercheurs indiens qui, euh, ont, qui ont suivi des rituels. Ils ont suivi quatre rituels d'éléphants et ils se sont aperçus en fait que c'était des bébés euh, qui étaient morts de sécheresse par la sécheresse, qu'il n'y avait plus à boire ou par maladie même. Et en fait, eh bien, euh, ils se sont mis en cercle autour de, du corps du, de l'éléphant. Et ils se sont mis à pousser des barrissements en signe de deuil et de, comment dire, de, un petit peu de, de euh, pas de réconfort, mais plus de respect, en fait, d'hommage, si on peut dire. En Inde, euh, il y a des, des, des humains qui, qui travaillent avec les éléphants et qui ont pu observer, en fait, que euh, quand euh, il y en avait euh, un quand il y avait un d'entre eux qui mourait, eh bien, euh, ils venaient avec leur trompe. Les autres venaient avec leur trompe, euh, déposer un baiser sur la bouche de celui qui était décédé, en guise d'au revoir. Donc, vous voyez que chaque euh, chaque animal a quand même, euh, par rapport à la mort de l'autre, vit le chagrin, respecte le deuil, exactement comme nous, hein, à, à, à des rituels exactement comme l'humain. Euh, il a pu voir, ils ont pu voir aussi euh, un éléphant euh, qui était décédé, un bébé éléphant. Donc ils ont vu toute une procession de, de plusieurs éléphants qui suivaient, une quinzaine d'animaux qui suivaient la maman. Et la maman, elle, elle tirait son éléphant, qui, son éléphanteau qui venait de mourir. Et quand ils sont arrivés à l'endroit euh, où l'éléphanteau devait être enterré, eh bien tous les éléphants avec leurs trompes se sont mis à creuser la terre jusqu'à temps qu'il y ait suffisamment pour que l'éléphanto soit placé dedans. Là, la maman l'a placé avec les pattes en hauteur. Et là, les éléphants après, eh bien avec leur trompe toujours, ont été chercher du sable et ont recouvert le, le trou et ont recouvert l'animal jusqu'à temps qu'il soit totalement, que la, la tombe soit complètement et complètement recouvert l'éléphanto. On a pu voir aussi que les renards, quand ils ont un des qui, qui décède, ils vont chercher des brindilles, toutes sortes de matériaux, et ils vont leur recouvrir le corps de toutes ces brindilles et de tous ces matériaux. Les pies aussi le font, les oiseaux, vous voyez, les pies vont chercher des brindilles et vont aussi recouvrir le corps de la pie qui vient de mourir. Euh, les, les singes, les singes, en fait, euh, eh bien, on a remarqué que par rapport à, en Tanzanie, euh, une primatologue s'est rendue compte qu'il y avait un chimpanzé qui, en fait, euh, avait perdu sa mère et que là, il a perdu le, le tiers de son poids en très peu de temps et qu'il n'acceptait plus euh, d'être avec les autres. Il s'est carrément isolé et il n'a plus voulu réincorporer le groupe par chagrin. Parce que sa mère était partie. Donc tous, euh, tous ces, ces, comment dire, tous ces animaux, toutes ces sortes d'animaux, on voit bien qu'ils sont dans ce deuil et qu'ils qu'ils vivent euh, ce chagrin comme nous. Vous prenez un animal qui est habitué, un chien ou un chat qui est habitué à vivre avec un autre chat ou un autre chien. S'il y en a un des deux qui s'en va. Euh, il se peut qu'il y en ait un qui se laisse aller et qui se laisse mourir de chagrin par rapport à celui qui vient de partir. Alors, je ne peux pas terminer par euh, ces rituels sans vous parler de l'histoire d'Achiko. Achiko qui est un, un chien qui est extrêmement connu parce que pendant neuf ans, en fait, il a attendu son maître qui était décédé à la gare cest chaque soir, son maître arrivait à la gare à la même heure. Eh bien, Hachiko, pendant neuf ans, est venu attendre son maître à la gare, devant la gare. Et en fait, il a failli, fini par mourir en étant devant cette gare. D'ailleurs, il y a une statue qui, lui a, été, qui a été élevée en son, en son honneur. Si vous avez l'occasion, il y a eu un film par rapport à l'histoire d'Hachiko. Ce film, il s'appelle « Hachi ». Euh, c'est avec Richard Gere Alors vous allez pleurer du début à la fin. On pleure, on pleure, on pleure. C'est émouvant, mais c'est magnifique. Et la fin est sublime. La fin de ce film est absolument extraordinaire. Le film s'appelle Hachi. Voilà. Et euh, si vous voulez aussi euh, voir des films sur les, les animaux, vous avez deux vidéos qui sont sorties. Il y en a une qui s'appelle chiens » Mes et la deuxième, c'est mes autres vies de chien. Et en fait, c'est la réincarnation d'un chien au départ. Et on voit toutes les vies qu'il a avec les différents maîtres et les différentes euh, euh, épreuves qu'il traverse, suivant les maîtres avec qui il se trouve. Là aussi, on pleure beaucoup, hein, mais ça vaut la peine. C'est vraiment de très beaux films. Voilà. Alors, je sais que la question euh, qu'on me pose souvent, et euh, je veux quand même en parler, c'est est-ce euh, qu'on peut manger de la viande Ça, c'est un sujet qui revient régulièrement. Je n'ai jamais eu un guide euh, qui m'a dit euh, on vous interdit de manger de la viande. Non. Ils savent que pour certains humains, euh, la viande, c'est impossible de s'en passer ce que les guides nous disent qu'ils n'acceptent pas et ils nous disent ça c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter euh, parce que ça se passe encore actuellement c'est la manière dont on tue les animaux dans les abattoirs. ils nous disent que maintenant nous avons tous les moyens de ne pas faire souffrir les animaux quand on les tue et alors que pour certains c'est une barbarie sans nom c'est une souffrance terrible. Donc ils nous disent qu'ils n'acceptent pas la manière dont on les tue, ils n'acceptent pas la manière dont on les élève quand ils sont euh, élevés en batterie d'une manière effroyable, en souffrance, avec euh, où ils sont je ne sais combien dans une même pièce, qu'ils sont souvent posés sur des grilles par exemple pour les poules ou quoi, pour... et ça ils nous disent on n'accepte pas. On n'accepte pas parce que vous avez tous les moyens maintenant, à l'heure actuelle, sur Terre, de ne pas faire souffrir l'animal. Donc même si vous devez le tuer pour le manger, vous ne, à aucun moment nous n'acceptons qu'il souffre. Et euh, ils nous disent qu'en fait, eh bien, euh, l'animal, en plus, euh, quand il est tué dans cette souffrance, il, est, euh, il envoie de l'adrénaline et avec beaucoup de toxines. Et ils nous disent tout cela. Pour le moment, tout cela est enlevé. Nous enlevons pour que vous puissiez, justement, ne pas être intoxiqués. Mais que si nous ne voulons pas comprendre et que nous restons dans ce côté barbare de faire souffrir l'animal, à un moment donné, ces toxines ne seront plus enlevées. Et donc, la viande deviendra immangeable. À nous de comprendre et de réagir vite. Et, et encore une fois, de... alors je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'associations qui luttent pour tout ce qui se passe dans les abattoirs, euh, il y a des films, euh, c'est filmé en, en secret et tout ça, on le voit, on les voit, c'est absolument abominable. Et je sais qu'ils ont beaucoup de mal à faire avancer, euh, à faire comprendre. Et il serait temps que dans chaque pays, euh, nos dirigeants euh, se battent aussi pour la souffrance animale, parce que ça, ça concerne tout le monde, absolument tout le monde. Alors, la conclusion, c'est qu'il faut espérer que dans ce monde nouveau vers lequel nous allons, eh bien, on va le remettre les animaux à leur place, celles qu'ils n'auraient jamais dû quitter, c'est-à-dire euh, à, à, à la même enseigne que nous, exactement à la même place que nous, et euh, qu'on va enfin réaliser qu'on peut prendre exemple sur eux pour vivre en couple, pour vivre en Meute, c'est à dire quand on est plusieurs, parce que eux ils savent très bien faire sans que ça soit catastrophique en respectant les règles, en respectant tout, euh, tout ce qui peut être bon pour la bonne harmonie de cette meute, justement. Donc, quand nous nous sommes plusieurs, bah, euh, bien souvent, euh, voilà, nous ne sommes pas capables de, de supporter, il y a des conflits, euh, on le voit dans le monde entier. Donc, prenons exemple sur eux. Hein et puis, prenons exemple sur euh, les animaux qui sont à nos côtés, euh, puisque eux nous montrent l'amour inconditionnel, cet amour inconditionnel dont l'être humain n'est pas capable. Voilà. Merci et à très vite. J'espère que euh, cette vidéo sur les animaux vous aura plu, autant que moi j'ai eu de plaisir à la préparer. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite. Au revoir.